La dynamique citoyenne Pona Ekolo Samuna Bwala a lancé ce 22 juin à Brazzaville la troisième phase de sa campagne dénommée Elikia Soyons Confiants. Un troisième épisode d'une campagne populaire qui vise cette fois-ci à affilier 30 000 comités de soutien au sein du mouvement dans les 12 départements de la République du Congo. Objectif, rassembler et fidéliser la jeunesse congolaise autour d'un idéal commun, celui de l'optimisme, malgré les temps difficiles que traverse le pays. La troisième phase que nous lançons ce jour est un appel à l'organisation et à la fidélisation de la couche la plus importante de notre société, la jeunesse de notre pays. Chers jeunes, première victime de la crise que nous traversons, vous êtes des milliers à avoir perdu des emplois. Vous êtes des milliers à espérer avoir un emploi. Vous êtes des milliers à avoir des rêves arrêtés. Cependant, le nouveau cycle politique qui commence bientôt ne pourra pas être un moment d'expérimentation de la bêtise ou de l'amateurisme. Au discours démagogique de certains, il est important que nous adhérons à un nouveau pacte social où la jeunesse sera une priorité. Maintenant, mais pas demain. En appelant la jeunesse à un pacte social, Dina Elvis Talisson Kombi, qui en filigrane de sa communication la présidentielle de 2021, invite cette couche sociale à s'afficher à la première loge de ce rendez-vous politique. L'engagement des jeunes aujourd'hui ne peut pas être voué à écouter les démagogues. Voilà, des gens qui n'ont encore rien fait de leur propre vie, mais qui vont venir promettre, tout promettre au peuple. Voilà, il est aujourd'hui que nous puissions faire confiance à celui qui a l'expérience de la gestion du pays. Voilà, mais à condition que, comme nous sommes en train de dire, que nous puissions replacer les problématiques des jeunes au centre du projet du président de la République. Mais ça dépend aussi de notre engagement. Voilà, plus nous allons nous organiser, plus nous allons nous structurer, plus nous serons sur la première ligne de front, plus nous serons capables de dire que voilà nos revendications. Voilà. Pour être efficace et mener une action commune, il faut que les jeunes se regroupent, aient une vision et luttent pour sa matérialisation. C'est pourquoi le coordonnateur de Pona Ekolo appelle à la structuration de cette jeunesse au niveau de chaque département et de s'approprier d'ores et déjà du processus électoral. Je vous appelle tous à vous structurer en comité de soutien, étant entendu qu'un comité de soutien est égal à 20 personnes. Préparons-nous à nous inscrire en masse sur les listes électorales pour l'élection présidentielle de 2021, car 2021 est notre combat. 2021, notre combat, digne Elvis, qui ne jure que pour la réélection de Denis Sassou Nguesso, affirme que la crise économico-sanitaire que traverse le Congo devait être un moment de dire la vérité au peuple congolais et non de le pousser au pessimisme. Alors que le président de la République, en défenseur des acquis sociaux du peuple, annonçait devant le Parlement réuni en congrès la fin de la récession, une autre crise venue cette fois de l'Asie, que personne n'a vu arriver, a plongé l'économie mondiale sous perfusion. La situation actuelle ne pousse pas à l'optimisme. Cependant, est-il pour autant une raison pour que nous laissions le peuple dans le pessimisme? La campagne Elikia, soyons confiants, que nous avions lancée est un appel au cadre. En cette période morose, ils doivent laisser leurs bureaux climatisés, les maisons luxueuses pour aller vers le peuple. Car il ne s'agit pas seulement de donner l'information, mais la bonne information. Nous devons expliquer au peuple que cette crise n'est pas une fatalité et qu'avec l'aide de Dieu et sous la conduite du président Denis Sassou Nguesso, nous vaincrons. Après donc la campagne d'adhésion des partis politiques et le concours sur l'éducation à travers la chanson tenue en 2019, voilà la troisième phase de ce programme Elikia qui veut tout simplement dire espoir en français. Dans les jours très proches, la dynamique Pona Ekolo fera la ronde des 12 départements du Congo pour la mise en place de ces comités. Une campagne qui se fera dans le strict respect des règles et mesures barrières contre le coronavirus, à laisser entendre Digne Elvis. Salissant au combi.